Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi les amis, cette vidéo est complètement... Je la tourne à l'improviste en fait. Je sors du taf et je me suis dit, il faut qu'on en discute du trailer qui a été montré par PlayStation sur la réalité virtuelle. Donc PlayStation a annoncé, je crois, trois jeux qui vont être annoncés avant l'E3. Et moi le premier, j'étais hypé par la chose et j'avais pas le temps pour regarder ce premier jeu qui a été annoncé. Et je vois sur les réseaux sociaux, sur mon YouTube, les commentaires YouTube, le mien, et je vois c'est écrit le jeu c'est Tetris. Bon, je me suis dit, quoi Tetris? Le jeu Tetris? J'ai dit, attendez. Du coup, je suis parti regarder le trailer. Et ouais, c'était triste. Donc, à quelques jours de l'E3, PlayStation nous annonce un jeu de réalité virtuelle Tetris. Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer. Je me suis dit, c'est pas possible, il se fout de ma gueule. À quelques jours de l'E3, tu mets dans les jeux que les joueurs attendent, tu nous mets un Tetris. J'ai dit, non, j'ai... 400 balles pour un jeu Tetris, comment veux-tu vendre des casques de réalité virtuelle avec un jeu Tetris? Donc moi, le premier, j'étais hypé par la chose, j'étais tout content. Et là, on me balance à un Tetris. Non, c'est pas possible, je tombe des nues, je rêve. Après, c'est comme mon opinion personnelle, encore une fois. Quand je dis ça, c'est parce que c'est moi qui n'aime pas le jeu Tetris. Je vois pas trop son intérêt sur la réalité virtuelle. Mais c'est vraiment à voir. Je pense pas que je vais le tester parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Un jeu Tetris à quelques jours de l'E3, je pense que c'est vraiment abusé. Mais vous allez me dire en commentaire vraiment ce que vous en pensez de ce jeu Tetris. Mais moi, en tout cas, je suis dégoûté. C'était la chute totale. J'étais refroidi direct, tu vois. Je m'attendais à que pas un gros jeu. Pas un gros jeu. On s'en fout d'un gros jeu. Mais quand même un minimum, quoi. Et là, c'est tout ce que les joueurs n'espéraient pas, ils nous l'ont sorti à Tetris. Je me dis, l'annonce qui va être annoncée ce soir là, à 17h, ça sera quoi? Ça sera Pac-Man? On va où là? Non mais ça, là franchement, si PlayStation me sort un Pac-Man, là je cours à poil jusqu'à chez eux là, pour leur dire qu'il faut arrêter les conneries. Non, il faut vraiment arrêter. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est quand même un jeu minimum teaser, un jeu qui vaut le coup. Encore une fois, là, j'attends un petit peu quand même parce que, il reste encore deux jeux à voir. Donc, je ne jette pas la pierre à PlayStation pour le moment. Mais en tout cas, il est mal barré pour que la hype reste encore sur la réalité virtuelle. En tout cas, le concernant directement. Donc, je voulais discuter de ça comme ça. En pleine nature, entre parenthèses. Moi j'habite, regardez, je sors du taf et je voulais en discuter un petit peu de cette annonce qui a été faite par PlayStation, le trailer de Tetris. Ça me reste encore là parce que moi je suis le premier à faire une vidéo de hype à fond. J'étais chaud patate et là on me dit que le jeu c'est Tetris. Imaginez un mec qui est hypé par la chose, on lui dit un jeu Tetris. Là c'était soit je pleurais ou je rigolais. Alors qu'à un moment donné, il faut que PlayStation me rassure, nous rassure, nous les fans de la réalité virtuelle. Parce que cette année, c'est une catastrophe sur la VR, c'est fou le dire, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'était un mini coup de gueule, mais j'ai un peu de mal en ce moment avec la PSVR, PlayStation, j'ai l'impression qu'il a lâché. Mais je ne jette pas non plus la pierre parce qu'il nous reste encore deux trailers. Et peut-être à l'E3, on aura peut-être un gros jeu. Après, dimanche, ils nous annonçaient un jeu très attendu sur la réalité virtuelle. J'ai même pas de mots. Là, j'ai plus envie de fantasmer parce qu'apparemment, quand je fantasme trop, c'est la chute libre. Vous voyez, c'est la chute libre. Donc voilà les amis, donc voilà, je compte sur vous pour me dire vraiment en commentaire, j'attends vos impressions à chaud du trailer qui va arriver à 17h sur la réalité virtuelle. Encore une fois, excusez-moi de cette vidéo à l'improviste parce que c'est pas tourné comme d'habitude. Mais au moins on en discute naturellement de cette annonce, de ces annonces qui vont être faites de toute façon sur la réalité virtuelle. Et sur l'E3, je garde un œil.
sur cette semaine qui va s'écrouler avec le 3, plein d'annonces, plein d'annonces. Ah, je suis chaud patate, chaud boulette pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc voilà les amis, donc voilà moi je vais vous laisser là. Ah, je vais vous laisser là. Attendre un petit peu sur votre fauteuil le trailer qui va être annoncé par la PSVR, par PlayStation pour un nouveau jeu. Je compte sur vous pour me dire quel jeu va être annoncé, quel jeu qui va être dévoilé tout simplement. Et je compte sur vous pour me dire aussi si ce jeu-là vous hype ou pas. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao.